C'était pour lui, je pense, une opportunité. Malheureusement, dans sa maladie et son drame, c'est un homme qui s'est fait rejeter de partout où il est passé, que ce soit dans sa famille, enfin chez ses parents en Unène, dans le Borinage et à Arles, où on lui dit, avec la pétition, il faut partir. Il faut être interné et soigné. Et enfin, quand il arrive ici, il est accueilli, respecté, puisque les religieuses, le docteur Perron et les soignants de l'époque lui proposent bienveillance, soutien et moyens pour peindre. En plus, un environnement extraordinaire avec les fleurs, avec la nature, progressivement, les alpilles. D'abord les parcs, le champ de blé, et puis les alpilles, et puis l'environnement de Saint-Rémy et sa grandeur. Il est arrivé dans un état terrible, psychologique et somatique. Psychologique, il vient encore de se faire rejeter par Arles. Il s'est disputé avec Gauguin. Il vient de passer un an dans des conditions assez abominables. Il ne boit que du café, de l'absinthe, et il fume, il s'alimente très mal. Quand Van Gogh arrive ici, il est dans un état de souffrance psychique très important, avec cette blessure profonde d'un nouvel échec et d'un nouveau rejet. Van Gogh, quand il était ici, il avait ce soutien des religieuses et du docteur Perron pour peindre, et il avait aussi des besoins de solitude. Et c'est pour ça qu'ici, il a trouvé des espaces qui lui permettaient d'être avec son travail et sa création. Ensuite, ici, il y avait un champ de blé, Watfield. Okay. Et donc ce champ de blé, il a été peint 14 fois. Il y a 14 versions du tableau du champ de blé. Par exemple, ce petit cabanon qui est ici, les alpilles qui sont derrière, c'est une des versions. Parce que ce champ de blé, il l'a peint parfois du haut de sa fenêtre, de sa chambre, et parfois quand il était là. Voilà ce qu'il faisait. D'accord. Et vous avez de la chance aujourd'hui, puisque vous tombez le jour où les amandiers sont à fleurs, et vous savez que quand son frère Théo a eu son enfant, qu'il a appelé d'ailleurs aussi Vincent, il lui a peint ce tableau d'amandier pour qu'il décore la chambre de son neveu. Et l'amandier en fleurs, le voilà. Le champ de blé qui est là, il est là, et le cabanon, il est là. Donc, on voit que ce tableau, il est peint du sol. Alors que d'autres tableaux de ce champ de blé sont peints comme ça, c'est-à-dire d'ici, comme ça, là, de la fenêtre. De pouvoir associer une œuvre littéraire phénoménale, très importante, aussi importante, je dirais, que l'œuvre picturale. En plus, Van Gogh était érudit, adorait la littérature, a beaucoup, beaucoup lu, et il savait en extraire des maximes qu'il arrangeait, ou du moins qu'il réorganisait pour faire des propositions philosophiques de vie. Je donne un exemple. À propos du champ de blé, il écrivait à son frère Théo, « Si je vaux quelque chose aujourd'hui, je le vaux aussi plus tard, car le blé est le blé, même si les citadins le prennent pour de l'herbe. » Il avait cette dimension philosophique,
un peu comme les philosophes, thèse, antithèse, synthèse. C'était pas quelqu'un qui affirmait, il proposait des réflexions. Ça, c'est sur le thème. Après, il y avait l'intensité, ou le niveau. Je vous ai dit, quelqu'un de très érudit. Et enfin, la quantité. Alors la quantité, ça pourrait être en lien avec un besoin de pulsion, ça c'est possible. Ça pourrait aussi être en lien avec l'humeur. Si je suis dépressif, je suis sur mon lit, je ne veux pas écrire, je suis comme ça, et je ne peins pas et je n'écris pas. Mais si je suis dans l'exaltation, je suis avec la créature, et je prends mon papier, et écris, et puis je reviens. Je pense que Van Gogh avait ces deux phases, où par moment il avait cette exaltation, et d'autres moments cet effondrement. Et pas qu'ici, bien avant. Il y a quelques tableaux, donc à Titernites Gate, par exemple, le tableau où il y a un vieillard qui est sur son chaise, on voit bien qu'il y a un choix sur la thématique morbide très important. In February 1888, and he left on I think the 8th of May 1889, so 15 months during which he had dreams, during which he had mental illnesses, during which he had hopes, during which he had the chance to meet great people in the city, such as Facteur Roulin. What he was looking for in Arles was not only to improve his technique, and I would also say that he freed himself from a technique, from a sort of impressionist and pointillist technique that he learned in Paris. So he freed himself from that sort of learning to find his own idiomatic expression, which of course was also allowed because he learned in Paris before. So it's not coming out from scratch. And in terms of emotions, there were something I think that came from his own imagination. He was looking for, let's say, a Japanese atmosphere in Arles. It's something that we barely know about, Van Gogh and Japan. Although, of course, he never put a foot in Japan. He sort of looked for Japan. What he was looking for was a specific atmosphere, specific light, and specific emotions also, maybe, that he could see in the air of Arles. It is also interesting to link that to specific paintings he made in Saint-Rémy. As you know, he was confined in an asylum in the countryside near Saint-Rémy. And we can see that some of his paintings and drawings are directly influenced by Jean-François Millet. This is one of his favorite painters. I mean, Jean-François Millet has some sort of a symbolic place in his art. So it's almost like being homesick when you turn yourself to Jean-François Millet. That was movement, from his art to go, okay, I'm sad, so I'm gonna do paintings and drawings that looks like home for me, or looks like dear to me. He was aware of that. He knew that people from the lendemain, the people of tomorrow, will understand his paintings. So, I think that's also something that made him alive and to paint as much as he did, We invited actually one painter from Lebanon, Ethel Adnan, if you know her, to do a lecture. And she said something very interesting. She said Van Gogh n'était pas fou. And we also know that from Antonin Artaud, the writer, that Van Gogh might not be the one to be crazy. And what happens if we take the other way around, if we think that the society was crazy and unfit to Van Gogh and not Van Gogh was unfit to the society? So the craziness is, a myth that is loading the art with maybe too much pathos. And we look at paintings and drawings from a different perspective.
And we can also say that with t-shirt on which we will be written Van Gogh n'était pas fou. Maybe we should all wear those t-shirts in the Arles city for the tourists. So we are here at the foundation, so within the exhibition space of the Fondation Vincent Van Gogh Arles, which opened in 2014. And you can see a show now. It's an exhibition of a collection from Erling Kagge, which sadly could not see the light of the day due to the confinement. And I'm taking you now to a space, because the Foundation Van Gogh was before being a foundation, Banque de France. So where I'm taking you now is not only the place which hosts the Van Gogh loan coming from the Van Gogh Museum, it was also the office of the director of the bank, and you can see the difference. So I'm taking you there now. The only one we have for this exhibition, we will have more in summertime. It's not from Arles, it's from Paris, and I think you can recognize maybe more of a sort of a quiet and classical style in this painting. And what is interesting about this painting is that although it was made in Paris, it doesn't show Paris as we can imagine. It's not the train station, this is not the cathedral, it's not buildings, it's a little park in Montmartre where Theo Van Gogh, the brother of Van Gogh, was living. So already in Paris we had a Van Gogh keen of nature. And it's a park at sunset, so you don't have this bright light that comes after in the Arles moment, the Arles period. Thank you.